Et c'est le mode Sunto, c'est Fenrir. On est parti pour la suite des aventures sur Resident Evil Village. En parallèle avec la DLC Shadow of Rose que nous sommes en train de faire. Plus on t'endort, plus voici le. Je vais vous refaire un petit peu le jeu avec sa petite vue troisième personne. Bah, juste pour le plaisir de le redécouvrir déjà. On se la faire tranquille. Et voilà quoi. Bon, juste le bon délire quoi, t'as de voir un petit peu, voir en fait là je vais essayer de faire sans sauvegarder le plus long possible, quitte à faire tout en vidéo. Si je peux le faire en une vidéo tant mieux. Comme on avait fait le speedrun avec le Magnum, sachant qu'on a aussi nos armes. Là c'est version PS5 par contre du jeu. J'ai refait le jeu sur PS5. Je sais pas si on a le. Enfin j'ai mes armes déjà améliorées et tout, mais je sais pas si j'ai le... Si je vais tout faire en une fois ou pas. Mais si je peux faire en une fois, tant mieux. Comme j'ai fait le speed fun, ouais, pardon. J'ai le speed fun avec le Magnum, donc là pareil, on a Magnum et tout. Par contre, le Magnum n'est pas au max à comparer d'autres. Non, c'est pas là, c'était à côté. On va y arriver, on va y arriver. On y est presque, ma puce. On va skip un petit peu les cinématiques. C'est vrai que vous avez déjà eu les cinématiques. Vous avez déjà eu la plupart des cinématiques dans la let's play de base. Je vous laisserai retourner voir le let's play de base, mais il manque dans la playlist que vous regardez. À toutes les scènes comme là, vous repassez automatiquement en vue première personne pour que vous puissiez quand même voir l'ambiance des cinématiques. Il y a seulement les scènes de combat et de balade qui sont en troisième personne quoi. Les scènes avec Chris, par exemple, qu'on avait à la fin du jeu, sont aussi en troisième personne. Autant la vue première personne a une ambiance quand même particulière, très glauque et tout, et qui est sympa. On peut être surpris à 2-3 endroits si vous êtes entre guillemets pas trop sensible aux jeux d'horreur. Il y a quelques scènes qui peuvent être entre guillemets pas angoissantes, mais où la surprise peut être présente. La vue troisième personne, honnêtement, elle reste quand même sympa. Ça enlève ce côté un peu trop horreur, enfin un peu trop. Ça enlève ce côté horreur qui peut être surprenant parce que si vous attendez aux cinématiques entre guillemets, vous attendez à ce que tel endroit il peut potentiellement avoir un mec et tout. C'est vrai que là il y a un peu moins de cette sensibilité avec la vue troisième personne, mais vu que ils vous ont mis les cinématiques principales entre guillemets en vue première personne, comme là pour passer sous les grillages et tout, bah vous retrouvez un petit peu cette ambiance quoi. Mais comme vous avez passé en vue première personne, vous pouvez potentiellement vous attendre à ce qu'il arrive quelque chose.
Un bulldozer. Je suis content en ce moment, j'ai fini pas mal de DLC de jeux qu'on avait commencé. Par exemple, Dawn of Ragnarok de Assassin's Creed Valhalla, on a enfin fini. C'est vrai que j'avais pas remis les pieds depuis quasiment 6 mois. Donc je suis content, on a pu le faire. En plus, c'est bien parce qu'on a pu finir juste au moment où est sorti le Last Chapter. Donc le dernier chapitre de Valhalla qui termine littéralement le jeu. Avant la sortie, évidemment, avec Basim de Mirage. Donc ouais, c'est vrai qu'on a fini pas mal, on a complété pas mal de trucs sympatoches quoi. Peut-être qu'ils sont sortis. Nous avons donc un petit lance-grenade, une petite mitraillette, d'ailleurs pas rechargée. 5 grenades et on a la plupart de nos armes sont en armes balles limitées vu qu'on a déjà fini plusieurs fois le jeu avec ce truc et je voulais me limiter à 3 potions parce que je crois qu'il y a un succès en pas utiliser plus de 3 potions donc on va essayer de le faire en même temps qu'on est en train de le faire en speedrun entre guillemets. Ah t'as bien attrapé des crocs en plus. Oh j'ai oublié que c'était du glace. Thank you.
Il y en a de plus en plus. Voilà. C'est surtout pour pas avoir de. Pour pas bouffer de potions de soin, quoi. Vous êtes ici? Je crois que si on se positionne, voilà, si on se positionne bien, on peut les repérer. Tout ce qui est munitions et tout, je les prends justement pour les revendre pour pouvoir finir d'améliorer au max le pistolet. Il me reste pas grand chose, mais il me reste un petit peu. Là, il faudra le tournevis.
Y'a quelqu'un? Comme j'ai pas le fusil à pompe. Merde ! Ah ! Le feu gagne du terrain ! Je vais tenter quelque chose. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Bon, bah au revoir, ma petite. Je comprends pas. Tous rendus visite. J'imagine que ça mène au château. Rien d'autre. Pas de poisson tout de suite. Je crois qu'il me reste que un ou deux poissons pour alors la dernière recette pour améliorer les conditions de mon personnage. Tiens. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme et mes filles adorent s'amuser avec les. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille de Maîtrise Tour, mes filles et mes mères vous chargeront d'apprendre ce qu'ils sont. Donc, en gros... Ah, putain de merde ! C'est ça ! Cours pour ta vie ! Quelle puissance dans ton coup de pied, Ethan. Rien de tel que la viande à chier américaine.
barges qui ont rose. Bonjour Luc. Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, remèdes. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Bienvenue, Ethan. Oh, oh, voilà quelque chose que je n'avais jamais vu. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Heureusement, vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité. Il reste que deux poids de caille. Et c'est pour monter à vitesse de dépassement. Okay. Merci de votre visite. Attends, il va les avoir rapidement une fois qu'on aura fini le château. Je suis peut-être allé trop vite pour le jeu. T'as pas intérêt très épais quand même. Hein. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose ?
Ça fait longtemps que j'ai pas dit c'est qui un jour. Laisse-moi te pendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Oh, j'ai peur. Tu. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Où est-ce que tu vas, petit? Débrouiller quand même les raccourcis. Mais c'est ton jamais. Je te fais visiter. Je crois que c'est là. Tout la mémoire, c'est un peu chaud, mais ça va. Il y a certains points, quand on récupère la première clé, on se dit « Ah ben c'est bon, la clé, je vais me rappeler où est-ce qu'elle va, etc. etc. » J'étais pas sûr, mais c'est ça. Mais moi, ne me fait pas défaut. Si on vous avez l'explication ici. Hein. Oh, putain. Attends, hop, je prends le fil d'assaut, parce que là, c'est là où on peut se faire voir. Qui sort de l'eau.
les trop, pas trop en plus, c'est chier, le bruit. Et c'est toujours. Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitrescu. Ah putain, je viens pas faire vraiment une connerie. Hein. Courir ne te mènera nulle part. Hey, Mercure Chrome, le pansement des héros. C'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait dû se dire qu'il était pas humain, le mec. Tu vois, te voilà. Tu as envie de jouer.
te décides enfin à venir me voir. Dorothée poussée haut. On voit derrière les couilles. Il est venu loper. Ras-le-bol des insectes. Je récupère le sniper. Et les trois. Normalement, avant la fin de l'heure, on aura fini le premier arc. Tout l'arc de Dumitrescu. Après, les derniers, les trois autres sont extrêmement rapides. Stupide mortel! Tu as beau courir, tu es condamné. Le coup de Magnum, ça l'a tellement stun.
J'avais peur que mes sœurs ne t'aient trouvé avant moi. Tu n'échapperas pas. Tu es ma foi. Ok, ça devrait me permettre de sortir d'ici. C'était le dernier. Tu penses pouvoir faire disparaître la lignée des Dimitrescu ? Un avorton comme toi ? Ne me fais pas peur. Heureux de vous voir sain et sauf. Comment ça s'est passé? Oh! Ah, oui, oui. Votre argent. À la prochaine fois. Très bien. Tu penses pouvoir faire disparaître la lignée des Dimitrescu ? Un avorton comme toi ? Oui. Je pense qu'on coupera après le Alicia, parce que c'est vrai que j'aurais montré au moins ce que je voulais. Parce que pour moi c'était vraiment le l'arc d'Alicia Dimitrescu, c'était le meilleur pour moi. Maintenant Mouro que reste, je trouve pas intéressant plus que ça. Le fait de lui couper, ouais c'est plus du remplissage que tout pour moi. Pour ma part. Même si l'ambiance ouais, est sympa, mais je sais pas, je trouve que...
aller le sauver ta fille. Toi, ma grande. Et voilà. En espérant que ce petit aperçu du mode 3 troisième personne vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à vous refaire le jeu hein, pour que si vous avez bien aimé Village, l'ambiance est différente, mais reste quand même cool à faire en troisième personne. Et moi, je vous dis bien moi, à la prochaine pour le prochain expert. Ciao tout le monde. Peace, ciao les gars. Surtout partager, liker et